Yo les gars, yo la team, yo les BG, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit live des familles sur Clash Royale. Te précipite pas quand tu joues aujourd'hui s'il te plaît. Je promets rien, on va essayer. Mon adversaire, c'est Christinini. Après, elle a gagné un tournoi, hein. donc ça va peut-être pas être simple. Les gars, cet événement est totalement sérieux. C'est-à-dire que même dans le jeu, toi tu te connectes au jeu, il y a une bannière France, il y a une bannière Espagne que tu peux acheter dans le jeu. Là, en termes de classement, je pense, Walouf premier facilement. Billy est plus fort qu'Inox, on m'a dit. Gotha, Billy, moi, on se vaut. Ah, je suis peut-être un peu en dessous parce que j'ai vraiment pas beaucoup joué ces derniers temps. Mais je pense qu'on est à peu près à la même valeur. Après, il y a Kamel aussi. Kamel, je crois qu'il a un petit peu moins joué que nous. Dwagby qui est chaud aussi, Dwagby. Dwagby, je pense que c'est pareil dans le même lot. On est un peu genre Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Tu vois. Aston Martin est un peu au-dessus. Après, chez eux, on verra. Hein, mais... Et en bon dernier, Amine. Bah, Amine, les gars, il a 30 minutes de jeu, quoi. On va pas demander à Amine d'être le meilleur du tournoi. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque de Clash Royale, en 2016, avec la team Queso? Est-ce que vous vous rappelez de cette époque, les gars, qui avait marqué les esprits? Surgical Goblin, Azilis, le duo de fou malade. C'est un peu l'époque, ça date, hein. Donc, pas forcément tout le monde s'en rappelle, mais moi qui étais vraiment YouTuber Clash Royale, ça me faisait vibrer, tu vois. Ça me faisait vibrer ce genre de match. Ça va quoi, notre coach préféré? Bah écoute, ça va. Didier Deschamps de Clash Royale. Bon. Bah mec, tout va bien. Je suis content d'être là, de faire cet événement. Un peu stressé, j'avoue, parce que plus on s'approche, plus je stresse un peu. Logique. Mais content. Est-ce que tu peux regarder mon deck? Vas-y, je suis sur ton live. Je suis parti sur un deck VR avec le bébé dragon, qui est ma carte préférée, la Valkyrie. L'archimagique que j'aime beaucoup. Et après, des cartes pour défendre. Après, j'ai peut-être trop de sorts, là. Mais Dans ton deck, l'archimagique, il a rien à faire, là. Genre, l'archimagique, c'est... Ah ouais, moi, je l'ai mis parce que je l'aime bien. Mais après, je suis pas obligé de jouer VR en une condition. Si tu peux me conseiller... Un golem, c'est bien, un golem là-dessus, hein. Peut-être pas fou. Bah, golem, en fait, si elle joue PK et que tu sais pas jouer golem parfaitement, tu vas te faire détruire. Hein. Bah ouais, parce qu'il il le two-shot, quoi. Ouais, c'est pas optique, quoi. Tu sais jouer le phénix ou pas? Non, pas trop. Qu'est-ce que tu sais jouer? On est rien, à part le bébé dragon. Qu'est-ce que tu sais jouer, en fait? L'AMG. À la place de la bûche, des flèches ou de la boule de feu? Pour moi, de la bûche, tu l'enlèves. Ok. Mais du coup, j'enlèverai les chauves-souris, je mettrai des gobelins couteaux. Parce que sinon, t'as pas assez de terrestres. Et Kamel, après, on a du TV2 ensemble. Ouais, t'inquiète, ça, on va tout gagner. Ouais, bah, y a intérêt. Hello l'équipe! La Roja, bien. T'es heureux toi? Ça va ou quoi? Oh, ouais, il est en forme. Hein. Les amis, aujourd'hui, on va leur faire manger des paella, les amis. Ça va manger des moules, mon reuf. Oui, Nox. Les gars, je me mute aussi pour regarder Walouf contre Benidieu. Je vais essayer de caster, enfin pas caster, mais regarder comment ça se passe. Donc là, il fait quoi comme choix? Donc là, c'est deux joueurs presque pro. C'est deux joueurs qui sont vraiment très forts, peut-être même pro. Donc on va voir ce que ça donne. Okay, il prend mineur. En vrai, ça réfléchit. Hein. En fait, ils essayent de comprendre quelle win condition va prendre l'autre. Et en prenant le DDE, il s'est dit que allait prendre sans doute une win condition comme un géant royal ou une grosse troupe, je pense. Ah ouais, il fait genre mineur boule de feu. Mais là, c'est vraiment un deck que tu vas gratter, quoi. Cache Goblin, évidemment, pour avoir un bâtiment. En face, il a pas de bâtiment. Hein. Mousquetaire, c'est très fort. Moine, je pense aussi. Il reste la Valkyrie, personne ne la veut. Oh, il prend le GR en win condition. Comment va-t-il faire? Comment va réagir? En gros, il sort ses barbares, dès que l'autre sort son GR. C'est pas mal, en vrai. Avec les barbares, je pense que le GR met quoi? Un coup max. Les gars, si je perds, m'insultez pas, hein, ça arrive à tout le monde, hein, je suis pas très fort au jeu. Hein. J'ai un passif, mais il y a des lointains. Oh, la belle bûche. Donc, y a le dragon de l'enfer qui est mis, hein, ouais. Oh, il foudre. Oh putain, c'est bien joué. Attends, le foudre est super bien placé. Oh, il a mis un mineur défensif. Pour aller... Ouais, en vrai, le mineur, il est vraiment... Perfect timing. Et en plus, il va venir gratter, en plus. En fait, le foudre de l'adversaire, c'est un peu pour empêcher Watt ce setup, j'ai l'impression. Ce setup, un petit bus. La boule de feu contre la mousquetaire, 4 pour 4. Après, il a niqué sa cage, du coup, mais bon, c'était pour l'élixir. En face, il a mis quoi, là? Ça, cette carte-là, je sais pas du tout à quoi ça sert. Okay, le moine qui est sorti en face avec le dragon de l'enfer, attention, il défend pas? Ah si, barbare. Les barbares sont sortis, il va sans doute sortir le GR là. Il va très sans doute sortir le GR en face. Le temps qu'il cycle ses barbares. Par contre là, il vient bien gratter, les gars. Oh oui. Let's go! Incroyable! Oh là là, le meilleur move qu'il a fait. Par contre,
fallait avoir des couilles. Hein. Et ça, c'est couilles, comme il les a eues, comme il a patienté, vous avez vu, pour mettre les barbares. Parce que moi, à droite, avec le moine plus des deux, j'ai cru qu'il était mort. Et au final, il défend la tour parce qu'il a mis que 5. Il a touché que 5 PV. Et en plus, il vient lui. Non, oh, là, là, trop fort, ouais. Le move est incroyable. Inox 3Z mort 2. Inox, il a perdu. Inox est en train de le bouffer. Ah ouais, bah nickel. Il le mange. Ok, parfait. Ah, okay, par contre, attention, géant. Ouais, non, c'est bon, ça passe bien. 26 secondes. Connaissant Wa, connaissant son gameplay, même si c'était le meilleur joueur en face, il prendrait pas la tour. Donc il a gagné. Il a gagné. Par contre là, en x2, ouais. Non, les barbares. Les barbares contre le GR, gagnant plus d'un d'élixir, mais même pas un coup. C'est propre, un beau, beau combat, les gars. Franchement, là, il nous a fait... Ouais, il nous a fait une masterclass. Bien joué, ouais, masterclass. Hein. Ah ouais, t'es trop chaud, tu crées non, des... Non, après, non, mais franchement, il est parti voir en spec, je t'assure, il l'a éclaté. Ah, je suis super contre 3-0. Attends, viens, regarde. Let's go. Je savais pas, il est obvious, il était aussi nul. Ok, PK contre Bûcheron, il va le one-shot. Ou two-shot, on va dire. Sorcière de la nuit. En vrai, c'est bien joué. Boule de feu, encore mieux joué. On va rester un peu de PV. Sans le phénix. L'archer magique est incroyable. Est-ce que le PK va avoir le temps de mettre un coup? Oui, peut-être deux coups. Ah, dommage. L'archer magique qui fait un beau taf, là. En vrai, c'est une belle carte. Hein. Ah, il va renaître, malheureusement. C'est là-dessus que le phénix est bon. Après, là, je pense qu'il va être facilement défendable. Oh, putain, il l'accompagne. Comment va-t-il faire? Attends, parce que là, le Rubius, il joue beaucoup mieux, là. L'armée squelette, très 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 bien joué pour temporiser. Attention au barbare là. Ça va pas être défendu, mais il va faire quelques dégâts. Ouais, du coup, ça va. Ok, PK. Sort de la nuit. Est-ce qu'il va l'accompagner? Ok, archer magique. En diagonale, c'est pas trop mal. Belle boule de feu. Ah, touche pas à la sorcière, dommage! Là, l'archer magique est cool. Les petits gobelins qui ont tapé, il a l'avantage, mais là, Airbus, il est pas ridicule en soi. Et Onino. La petite bûche pour aller gratouiller. C'est pas mal, là, ça se passe bien. Oh, le golem! PK counter golem, normalement. Sur deux personnes qui ont à peu près le même niveau, c'est ça. Donc, en vrai, là, le PK va peut-être être un peu rapide. Inox, vite, l'élixir. Voilà. Là, le bus d'Inox va... Ah oui, avec le DD en plus, le bus d'Inox est beaucoup mieux. Hein. Le bus d'Inox est quand même beaucoup mieux, normalement. Eh ben non, en fait. Il a mis les gobelins derrière. Attention au phénix, quand même. Oh là là, il en met trop. Attention quand même. Les flèches qui sont mises dans la panique, là, mais... Aïe, 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 a pris cette tank. Oh, ça revient à égalité, les gars. Putain, là, on est sur une game ultra serrée. C'est ultra serré, les gars. Oh non, les gars. Ah non. Ah, pourquoi le PK au pont? Pourquoi le PK au pont, les gars? Ah, il veut vraiment aller direct. Non, en vrai, j'aurais pas fait ça. Là, il grille son PK dans le vide. Ah, par contre, le fût. Oh, le fût était pas mal. Avec flèche boule de feu, il aurait fini. Là, il a perdu. Ah, il perd là-dessus, je pense, parce que la boule de feu, il peut pas la cycler. Il peut pas la cycler, je pense. Ouais, il perd là-dessus. Lolo, en fait, dommage, en fait, boule de feu, il m'était fou, il a fait nimple à la fin. Ouais. Il croyait tuer avec ses flèches. J'ai paniqué, j'ai trompé la confiance. Ok, un partout, c'est bon, c'est bon. GG à lui. Oh, je sais quoi ce truc. Oh, il m'a soulevé. Aise. Il a mis aise. Il a mis... Ouais, bah ouais, gros. Ok, on regarde, les gars, on regarde. Oh là, les gars, ce combat-là. Faut pas le louper, les gars, c'est une finale de Ligue des Champions. Oh là là, deux adversaires qui se trash talk. Ça va parler, maintenant faut agir. Alors Inox, s'il te plaît, tu le dégommes et tu lui mets un gros aise. Let's go Inox. Ok, sorcière, c'est très très bien de l'avoir, la sorcière. J'ai un royal placé fond de map, ça veut dire qu'il dévoile direct sa win condition. Pas forcément une bonne chose. Le mineur, ok, parce qu'il sait qu'il a tout claqué. Ok, j'ai un royal là qui va être défendu facilement. Le bomber, attention, faudrait qu'il évite de tuer là. Ah merde, il prend un gros sur la volée, c'est bon. Ok, en vrai les gars là, oh, bélier de combat en plus. Donc bélier de combat ou une condition.
Là, je pense que ça peut prendre la tour, là, en vrai, de vrai. Hein. Ça peut prendre la tour. Et ça va prendre la tour, les gars. Let's go. Ok, par contre, l'Inox, Brem, quand il prend une tour, quand il gagne trop facilement au début, c'est comme sur Rocket, comme sur tout. Pour lui, c'est gagné, il fait plus rien. Donc, maintenant, tu fais comme s'il y avait 0-0, et tu continues. Il a le chasseur en face. Est-ce que Inox sait à quoi cherche le chasseur? Je pense que oui quand même. Alors le pêcheur. Pêcheur, c'est la carte d'Inox, hein, il la joue bien. Par contre là, attention. Oh. Mineur, ouais, il l'a mis un peu tard du coup, mais. L'armée squelette qui est bien à ce niveau-là. Notre Elo en tant que joueur pas terrible, bah en vrai l'armée squelette c'est fort. Hein. Ok, sorcière à gauche, c'est bien, il part en deux couronnes. Bon réflexe. Comment il va la défendre, la sorcière? Il la défend pas? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? La sorcière qui a fait des méchants dégâts, là. Ok, golem fond de map. Ok, la Valkyrie pour tanker la voleuse, c'est parfait. La Valkyrie qui va sans doute dépasser le golem, ça c'est un peu chiant. On va voir, ouais, si ça va la dépasser. Non, le golem va prendre l'aggro, parfait. Il passe pas à deux sur le pont. Le physique, le chasseur qui va faire très très mal au golem, par contre, au corps à corps. Par contre, le golem qui explose sur la tour, ça c'est bien. Et ça va peut-être prendre avec le canon la tour. 2-0. Aise. Là, je pense que, bon, essaye d'éviter de t'en prendre une tour, comme ça tu peux vraiment dire aise en toute facilité. Attention. Le golem, en vrai, il tanque tellement en 27 secondes, c'est impossible qu'il prenne la tour. Il veut attaquer côté droit. Il laisse faire. Oh, le bélier qui tanque. La voleuse qui essaye de suivre, je suis mort. Allez, 2-0, les gars. 2-0. C'est gagné. Inox, ouais, qui a bien déglingué Rubus, là. Bah c'est à nous de jouer maintenant. Oh, Amine, attendez quoi? Bah attendez, je dois partir, mais... Amine il a gagné un match tout à l'heure. Ouais, il a gagné. Il a gagné avec le deck aussi. De base. Là aussi, il vient de gagner, là. Ah ouais? Il vient de regagner? Ouais, il vient de gagner, là. Mais non. Bon, attends, mais il a battu Ilorwan avec le deck, genre du... Genre, il l'a battu avec le deck vraiment qui est présenté au tout début du jeu, quoi. C'est vraiment le deck, tu commences avec ça, quoi. Oh, non. En plus, en face, il avait le truc violet qui heal, là. Ouais, non, mais... Oh non, Ilorwan, faut arrêter le jeu. Attends, mais là, ils ont lancé le touchdown, là. Ok les gars, bah on va tout donner hein. J'ai essayé de m'entraîner un peu hier, un peu tout à l'heure là, on a vu que c'était pas forcément terrible, mais on va essayer de pas être trop mauvais quoi. Ok, qu'est-ce qu'on fait les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà dès le début je prendrais bien la Valkyrie moi. Sur quelle win condition on va jouer? Je prends ça, je vais prendre les flèches. Après j'ai la sorcière quand même. Ah vu que c'est le bébé dragon, peut-être plutôt le canon du coup ouais. Elle prend artificière, ça c'est fort. Elle va prendre le mineur non? Ah elle prend ça, win condition, ok. J'ai pris le pire choix. Je la voyais pas. Les gars, j'avoue, j'ai paniqué. Bref, c'est trop peu, les gars. Ok, c'est parti, c'est pas grave. Oh, elle défend pas la voleuse, là. Ok. Ça me va. Peut-être mis un peu tôt. Oh non, elle a pas le sorcier. Si, c'est bon. Ah, le sorcier. Par contre, attends quoi? Merde. Oh, j'ai paniqué. Putain, j'ai paniqué pour rien. Le con. Ok, concentration. Oh non. Ok. Ça vaut le coup de la mettre invisible là, non? Ok, est-ce qu'elle va redéfendre derrière? Elle défend pas. Oh putain. Pourquoi elle défend pas la voleuse? Oh. La Valkyrie qui sert à rien, je pense. La Valkyrie qui est un peu en trop. Ok. Canon. Je pense que mon but, c'est pas trop mal. Putain.
Ah, fait chier. Ça, ça va être chiant. Oh, la sorcière, la voleuse. La voleuse, c'est putain, heureusement que je l'ai prise. Ok. Le chevalier d'or, je sais pas trop comment ça joue. Est-ce que ça va dash là? Non, ça dash pas là. 800. Est-ce que je défends pendant 50 secondes ou je repars de l'autre côté? Je vais commencer à partir de l'autre côté, non? Je passe le canon un peu plus loin, ah ouais. J'essaie de défendre quand même. Genre ici. Oh salope. Ah je laisse ma tour. Par contre elle défend pas du tout Elle veut partir en 3 couronnes vous pensez? Est-ce qu'elle peut réellement partir en 3 couronnes là? 13 secondes. Yes! C'est gagné. Ok. Ouah c'était chaud. Merde. Ok, c'était chaud, c'était chaud. je sens que je peux perdre, tu vois. Ok. Ok, GG. Ensuite, combat 1v1. 1v1, les gars, je prends quoi comme deck? Je prends celui-là. Je maîtrise mieux le golem. On le tente, mais si elle joue PK, ça m'embête. Après, PK contre Jean-Well, en soi, elle me défonce aussi. Ok. PDF pour aller gratter un petit peu. Non, ça c'est pas bien joué ça. Oh non, là c'est pas bien joué du tout. Oh, je suis baisé. Oh, je suis baisé. Oh, je suis baisé. Non, j'en fais trop, j'en fais trop. Non. Ok, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Avec géant royal, putain, il faut que je joue tranquille, posé. Posez les gars, posez. Bah il vient quand je la mets là ou pas? Ok c'est bon. Ah ouais mais là il va me faire mal lui hein. Il met un coup. Bon, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Ok. Je pense que je vais push là. Ok, je sais pas ce qu'elle fait. Ah oui, elle a mini PK pour me défoncer. Ça c'est chiant. La bûche peut être mal jouée là. Ok, le bébé dragon qui chez lui arrive un peu tard. On n'en fait pas trop les gars. Ah, j'en fais trop, j'en fais trop. Ça va, ça va, ça va. Okay. Flèche. Ok, mais j'ai en fond de map. J'ai le temps de mettre quelques dégâts. Les dragons. Ok, on fait ça. Normalement, on est pas mal là, on est pas mal. Si je fais ça et boule de feu, je tue, non? Est-ce que je finis? Yes! 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 Putain, je suis bienvenu! Let's go! Oh, j'ai tellement fait de la merde au début! Ok! Oh, je suis revenu! Putain, merci pour les GG, les gars! Ok, le prochain, c'est combat amical en tirage. J'ai le cœur qui bat. Ok, ça commence. Sort d'orage, ça aurait pu être bien aussi. Hein. Oh, sorcière. Hein. Sorcière, c'est une des meilleures cartes, je pense. Ah, cochon. Je sais pas jouer le cochon. Ouais, mais je vais le jouer. Hein. J'ai l'impression qu'elle défend mal les cartes qui vont vite. J'ai l'impression que les cartes qui vont vite, elle a du mal. Je vais peut-être la faire paniquer en faisant ça. Ok. Yeah.
c'est pas mal. On m'a donné une foreuse et un arc X. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un géant squelette? Je le tente. Je le tente. Oh, elle défend pas? Ok. Elle a mis beaucoup d'élixir, hein. Ok. Par contre, faut que je défende ce géant. À tout prix. Ah, ça va être compliqué, les gars. Ah, ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être très compliqué, là. Ah, y'a vache. Ouais, je sais pas comment faire là-dessus. Mon géant squelette qui est encore là. Il résiste. Aïe, 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 aïe. Cochon, plutôt. J'aurais dû peut-être attendre. Ouais, mais ça là, c'est pas terrible ça. Ok, je prends la tour. En vrai, on attaque direct. Hein. La panique, la panique, la panique, la panique. Ok, je l'ai senti. Mon Arclix, il a fait paniquer. Hein. Ok. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Arclix défensif en mode toxique. Ultra toxique, activated. Ouais, elle veut jouer. Oh putain. En vrai, elle a pas le temps, là, on est d'accord. Elle a pas le temps, c'est sûr. Let's go! Par contre, c'était chaud quand même. Ouais, son géant royal, en vrai, j'avais rien pour le défendre. Il m'emmerdait. C'est passé, 3-0. Ok, let's go. Kamel, ça va ou quoi? Merci. C'est bon, les gars, 3-0. Ah non, c'est 2v2 en tirage. Et deux... Ah, il y a deux combats 2v2 normal, donc autant prendre des decks qui se complètent. Je dois lancer un touchdown amical. Ça va pas être terrible. Je sais pas trop quoi prendre en vrai. Des troupes qui vont vite, non? En vrai, je vais donner des troupes qui coûtent quand même relativement cher. Bon, après, là, j'avoue que c'est pas mon point fort ce mode, on l'a vu tout à l'heure. On va essayer de tout donner, je pense qu'elle non plus, elle connaît pas trop, j'espère en tout cas. Oh, elle le défend pas là. Elle le défend pas là. Let's go! Let's go! Ok! Ok! Elle m'a donné un bûcheron, les gars! C'est pas mal! Ok! C'est pas gagné, c'est pas gagné. Merde! Je me suis trompé de côté, du coup. Prendre notre temps. Mais du coup, je garde le bûcheron. Oh, merde, 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 merde! Peut-être perdu là, hein. J'ai peut-être perdu, les amis. Ouais, j'ai perdu. Les cochons royaux, c'est trop fort. Mais attendez, mais c'est trop fort, ça. Je fais comment? Fallait roquette. Ah merde, ouais. Ouais, mais bon, faut la pré-shot comme il faut. C'est super dur. Ok. Je sais pas trop comment le jouer, en fait, ce setup. Merde, 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 oh, j'ai perdu. J'ai perdu encore. Ah, il va se diriger là, ouais, mais là, j'ai perdu, là. Non, 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 ça passe pas. Ah non, j'ai gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la mamie qui a transformé des trucs en cochon. Putain, j'ai même pas vu, j'étais focus. Ok, c'est pas gagné. Et si je balance ma roquette au bout? Oh putain. Oh, elle est belle. Merde.
Ok, oh bah là mon bûcheron, je pense qu'il passe. Oh bah le cochon aussi. Ok, parfait. Let's go. Elle est importante celle-là. Let's go. Bien sûr. Voilà les gars. Combat amical en tirage. Let's go. Ok. Oh putain. Non, je pense ça. Même dès que ça, j'aime bien, mais... Oh putain. Pêcheur, je sais pas le jouer. Je pense qu'elle non plus. Oh les gars, c'est quoi ces cartes de merde? Cimetière gel. Oui, mais c'est bon, mais ça, je maîtrise pas ça, les gars. C'est des trucs que je jouais en 2017. Ça fait 7 ans. J'abuse. Oh, game de glace, ça m'a donné un game de glace. Oh, l'électrocuteur. Oh putain, mais j'adore ces cartes. Ah. Ah merde, il se déplace pas. Merde, le con. Ah. Je vais devoir faire ça, je pense. Je suis pas bien, les gars. Ça fait trop mal. Ouais, mais ça fait trop mal. Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Je lui ai donné la pire carte. Enfin, la meilleure. Ok, je sais sur quoi je vais partir. Non. Va-t'en. Voilà. Voilà. Ok. Ok. On se calme. Parfois, on va voir comment elle réagit. Elle a 10 d'élixir là, non? Ok. J'ai la meilleure carte pour contrer ça, c'est-à-dire celle-là. Putain, mais attends, elle a mis tout ça, là. Aïe, je suis pas bien. Ah, ça fait trop mal, ça. Par contre, à droite, je fais mal. Oui, je fais trop mal. Pas besoin. Faut que je défende à gauche. Je défends à gauche, je cimetière, dès qu'il reste plus trop de temps, et je pense que j'ai gagné. Merde, faut que je cimetière gel, du coup, sinon ça sert à rien. Putain, mon cimetière comme ça, il sert à rien en fait. J'ai testé, hein. C'est bon, c'est gagné. Ok les gars, c'est bon. Moi j'ai pas compris pourquoi elle a pas voulu prendre la deuxième tour, enfin la tour de gauche. Mais tant mieux. Les gars, j'ai pas le choix, faut que j'aille toutes mes games. Vu qu'on a Gotha par exemple qui est tombé sur un adversaire qui est vraiment très fort. Combat amical des decks classiques. Gotha win, ça c'est bien alors. Oh quoi? Recrue. Attends, qu'est-ce que c'est que mon deck? J'ai même pas eu le temps de voir, les gars. Wow. Ok. Cochon roi recrue. Cochon roi, je maîtrise pas du tout, mais ça peut peut-être surprendre. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour défendre tout ça, là? J'ai pas grand-chose. Ah si, j'ai la boule de feu. Ah ouais, mais elle est arrivée trop tard, cette boule de feu. Elle est arrivée trop tard, cette boule de feu! Donnez-la-moi avant! Ok, c'est pas grave, allez. Bon, elle a des sacrées cartes. Pas réussi à trop taper. J'ai voulu surprendre, moi j'aime bien faire ça, mais bon, c'est pas terrible. La mamie qui va être pas mal pour ça. Est-ce que ça vaut le coup de la mettre maintenant? Non, je pense pas. Ok, ballon. Ok, j'ai la machine volante. Machine volante pour ballon. Oh putain. C'est le Molos qui va prendre le tank. Merde. Je suis pas bien. Aïe, je suis pas bien du tout, les gars. Par contre, elle a pas défendu. Je me rassure comme je peux. Ah ouais, putain. Voilà, j'aurais dû attendre. Ok, c'est pas perdu.
j'en fais peut-être un peu trop là. J'en fais sans doute beaucoup trop. Ok. Je prends la tour là, je pense. Ok, je prends la tour. Allez, on se repose pas. On y va direct. Et boule de feu, elle a plus rien. Allez, zap. Elle a rien. Elle est à Walp. Ok. Bah maintenant, je vais défendre, hein. Pendant 50 secondes, hein. Belle BDF. J'avoue là, je sais pas trop quoi faire. Il reste 20 secondes, le molos devrait pas. Ok, c'est gagné. Ok. Ok. Oh, je suis content. Je suis content parce que je donne tout, je suis motivé. Et je suis en 6-0. Ok. Je suis obligé là, il faut que je gagne tout le plus de matchs possible, hein. J'ai pas le choix. Ouah, je suis trop content. J'enchaîne. Ouais, j'ai vu. Bien joué. Il y a Inox aussi qui a battu 600 Rubius. Super. Moi j'ai fait 4-3. Vas-y, bah moi je fais mon dernier match. GG Bouzy, c'était ton dernier? Non, j'en fais un autre là, un dernier. T'as tout gagné toi, t'as jamais. Ouais, pour l'instant, ouais. Attends, GG. Ok les gars, dernier match. Combat amical en méga tirage. Ok, Golem, j'aime beaucoup. Non, mais ça va trop vite là. Machine volante, j'aime beaucoup. Pourquoi prendre ça au début? Me demandez pas les gars, je suis pas un pro du méga tirage, j'en fais depuis hier, j'ai fait 3 games en tout. Elle prend zap, ok. Ok, je sais ce que je vais prendre. Ok, je me tente, par contre faut pas qu'elle me le pique. Elle panique. Oh non! Merde! J'ai pas d'autre sort, j'ai séisme. Séisme c'est pas mal, séisme. Séisme golem c'est pas mal, hein. Par contre, le problème c'est que si elle prend dragon de l'enfer, elle fait quoi? Ouais, elle prend dragon de l'enfer. Merde, elle nique tout. Ah, j'aurais dû prendre foudre. Merde. Foudre séisme, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais non, mais merde. C'est pas grave. Bourreau. Je le tente. Oh, les gars. Non, ça va. J'ai pas un deck kata. Fût. Il me faut un truc pour nettoyer le fût. À part le bomber. Merde. Golem de glace? Est-ce que golem de glace ça peut être bien pour le fût? Ah, il y a fût barbare, j'avais pas vu. Ça tue le fût, ça? Oh, elle a pris GR en win condition. Elle a pris le GR, putain. Bon, on verra bien. On verra bien, les gars. Je tente ou pas? Si elle a le GR dans la main et qu'elle le pose, je suis foutu, j'ai perdu. Elle le pose pas au pont? Elle aurait dû le poser au pont. Pourquoi elle a pas posé au pont? Elle m'aurait défoncé? Ok, bon. La tour à bombe, ah, par contre, par rapport au GR, il y a une strat, non? Faut la poser comment? Ah ouais, putain, ouais. Ok. Il va mettre un coup ou deux. J'ai gratté aussi un peu, moi, les gars. What? Mais attends, mais joue le feu ici, elle? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en fais trop, faut que je me calme. Attends, parce que là, elle va devoir défendre là-dessus quand même, hein. Elle défend pas? Elle défend tard. Elle défend trop tard. Ça va, belle DF ou pas? Pas besoin. Parce que là, ça fait quand même mal, hein, ce qu'elle fait, là. Ça fait quand même très mal. Putain, elle a un burst de fou malade avec ça dans son équipe, là. Ma machine volante qui est là depuis 6 ans et demi. Double élixir. Oh, la zap. Attends, mais elle a plus d'élixir, elle a plus rien. Beau golem offensif. Élixir x2, c'est là où je vais avoir l'avantage sur elle, je pense. Faut surtout pas que je donne une tour.
parfait. On va attendre qu'il touche un peu. Ok. Ok, on est bien, on est bien. On est très très bien. Ah, j'ai vu mes golems fond de map, mais j'aurais jamais dû, en vrai, mais bon, il reste 10 secondes, elle pourra pas, je pense pas. 3 stars, non, 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 les gars, non, non, non. C'est bon, on assure, les gars, on assure. Ok! Let's go! Mais... Let's go! C'est quoi ce golem à la fin? Tu fais quoi, frère? Mais non, mais j'avoue que je l'ai mis, mais... Comme ça, quoi, mal. Pour le délire. Bien joué, 7-0. GGGG. Toi qui étais en mode oh, je suis pas sûr, non non non, 7-0 en vrai propre, t'es le seul à avoir mis 7-0. On mène 28-25. Ouais, j'ai une question. En 2v2, est-ce qu'il y a des sorts, des cartes qui sont vraiment importantes? Vraiment, en fait, on va jouer full électrogène, genre électrogène en tornade. Ah ouais, c'est le mieux? Bah, en fait, en vrai de vrai, électrogène en tornade, c'est quand même assez fort. Alors, par contre, pour les decks 2v2, faudra juste cacher les écrans sur les streams parce que les Espagnols, apparemment, de ce qu'on me dit dans le chat, c'est qu'ils vont. Ils vont aller zoner sur nos lives, quoi. Du coup, ils vont voir nos decks, ils vont s'adapter. C'est à peu près ça, quoi. Ok. Au début, en vrai, en 2v2, ça met beaucoup plus de temps à charger l'élixir, donc faut pas faire n'importe quoi. Ok. Moi, j'ai mon truc à 1, là. Vas-y. Je le mets, bonne chance. J'ai l'armée de squelettes pour counter le prince. Ça va, counter. J'ai l'armée de squelettes. J'ai enlevé son truc, je la mets dès qu'il arrive. Vas-y, vas-y. Je vais mettre des archères, comme ça, on a des DPS contre... Je vais boule de feu, Vas-y, je tourelle, moi, comme ça, tu peux faire tes trucs. Bien joué. Ok. On temporise. Ouais. Garde ton élixir. Moi j'ai le géant. Hein. Ouais, tu pourras le poser fond de map à gauche quand tu veux. On met quelques dégâts, t'as vu. L'archère elle fait vraiment mal. Ah, tes archères sont bien. Ouais. Ok. Tu le joues? Je le mets. Vas-y. Ok. Ok, rien de plus. J'ai une bûche que je vais mettre, je pense. Je vais packer tout ça avec une tornade. J'ai ma tornade après pour repacker. Je vais pas la mettre maintenant. J'ai la Valkyrie. Une Valkyrie. Ok, c'est bien. On a un petit bus, Ça bûche. On a le bébé dragon qui est full tornade, vie. J'attends la tornade. Hein. Non. En vrai, non, vu qu'il pourra pas mettre autant de troupes. Non, en vrai, c'est bon. Ok, c'est carré. Là, en vrai, là, c'est pas mal. Là on temporise, Et on attend le counter. Carré dans le cul, frère. Ouais, c'est pas mal. Là. Je vais canon au milieu. Vas-y. Je vais mettre mon esprit de fire pour la canyonir. Oh, bien joué. Voilà, comme ça, elle a pris des dégâts. Par contre, dégâts, le canon, merde, ça sert à rien. Ouais, il a pas la range, mais c'est pas grave. Ok. Je vais mettre des petites archères pour cycler. Ouais. En vrai, toi, pars avec l'électro et moi, je temporise au cas où ils attaquent direct. Vas-y, j'ai l'électro là, je charge jusqu'à G9. Oh, quoi que. Et ça repart. Vas-y, go. L'électro, il part, mon. Vas-y, bah, je pars le mien aussi. Ok. Je mets mon mini PK, tu penses? Tu pourras le mettre dès qu'il arrive au pont aussi. Hein. Faut vraiment qu'il prenne l'aggro direct sur le bon mob. Ok, j'attends. Je vais tornade. Je vais m'attourer le Tesla pour le fight. Carré dans le cul, je retornade. Vas-y, attention, ton élixir. Je mets ma Valk. Vas-y. Ok, je counter. J'ai. Vas-y, carré. Normalement, on finit hein, la tourelle à ouais, la ouais, gauche, c'est bon. Ouais, non, full défend à droite, on a gagné. Ouais. Ils ont pas pris un HP. Hein. On va remettre mon géant à droite. On essaye de prendre 0 dégâts. On a déjà pris. Ah, si, on avait pris à droite. Ok, bon. 10 secondes, c'est gagné. Carré dans le cul, frère. Putain, notre push avec l'électro-tornade, incroyable. C'est carré, mon gars. C'est carré, mon gars. C'est pour ça, là, faut des troupes avec de la OE en masse. Oui, en fait, ils peuvent counter s'ils veulent, ils connaissent rien, c'est normal. On les a arrachés, voilà. Bon, c'est pas attendre, il reste quand même 4 games. Tranquille. Donc, vous jouez 3 fois avec le double élixir. Tirage. Et 2 fois 2v2 classique. On fait 2v2 classique direct. Comme non. Ça, ils ont pas le temps de changer de deck et tout. Ouais, mais en vrai, ils vont se plaindre après.
Et c'est là où ils peuvent nous. Mais jamais de la vie, ils vont pas se plaindre, frère. Et s'ils vont dire, ouais, fallait prendre mais... celui-là au moment où ils ont perdu. Ouais, mais ça, ils vont dire quoi on... Bonne chance. Vas-y, vas-y, moi je te laisse faire et je rejoins. Okay. Vas-y, j'ai lancé. Ok, c'est parti. Vas-y, tirage, on y va. J'ai fui de gobelin ou géant? Géant. J'ai pris un truc à 1. Ouais. J'ai pris le géant royal. Valkyrie. Moi je rive Valkyrie, moi. Boule de feu, j'ai. Valkyrie, ok. J'ai poison. Ça, moi j'ai eu des bonnes cartes. Hein. Ouais. Et ils ont pris de la belle bouse en face. J'ai la sorcière de la nuit qui est pas mal. Géant royal, moi, j'ai le géant royal, donc celui-là, il va être important. On défend, et dès qu'on a l'espace, hop, on met le géant royal et on essaie de prendre la tour. Moi, j'ai un géant, géant, moi. Par contre, eux, ils ont une roquette, et le pêcheur, c'est sûr, ils savent pas le jouer, parce que personne sait le jouer. Le pêcheur, à chaque fois, je lui donnais, il savait rien faire. Bah ouais, personne sait jouer ça. Ok. J'ai deux trucs à 1, moi, faut que je les lance pour cycler, je pense. Qu'on économise. Ah ouais, vas-y, hein. Dès qu'on a 9. Vas-y. Oh, j'ai lancé un prince. Bon, ça a mis des petits dégâts. Je mets ça. Ah, je l'ai hop, il l'a bloqué. C'est magnifique. J'ai mis un bouliste. Et je vais mettre des chauves-souris pour gérer ça. J'ai un bâtiment. J'ai ça pour avoir la bombe. Ouais, ils en ont, mais des troupes là. Oh putain, ils ont tout mis. Ils ont tout mis là. Si on défend, on est bien. Il y a un fût de gobelins. On défend, mais attention. Il va falloir préparer le counter push. Vas-y, Valky, c'est pas mal. Et moi, j'ai le GR j'ai qui va arriver. En vrai, on est bien. Ils roquettent, ils ont fait nimp. Si c'est d'élixir sur du 2v2 comme ça. Ah ouais, on est en double élixir, c'est vrai, c'est pour ça que ça a plus. Okay. Je remets un double bouliste. Je mets la boule de feu dans le canon là. Vas-y, j'ai gelé. Bah attention au counter push quand même. Ouais, attends, ouais. Prépare la défense. Ouais, t'inquiète, je prépare là. Ouais, arc-ex défensif, j'ai c'est mis parfait un ça. Ok, mais ça, en vrai, pas besoin. On va faire le taf. J'ai un esprit de glace. Super. Hop, c'est parfait, il a tanké le coup. Ouais. L'arc X, mets-le plus au milieu, peut-être, pour qu'il tape encore un peu milieu okay, et okay. Un petit peu plus haut. Ah merde, je suis parti à gauche comme un con. Hein. Ouais, j'aurais peut-être. Après, au moins, il va défendre à gauche. Parce qu'eux, ils vont push là où il n'y a pas de PV. Donc, moins de PV. Donc, Ah, c'est vrai. Ah, il met LEM. J'ai une Valk. Attention à notre tour. Ok. Ok, l'arc X fait son taf. Attention le MK. Ouais, je mets des petits trucs de merde à 1 là. Merde, t'as un truc pour le prince à gauche? Oh, j'ai rien. Merde. Ok, on laisse la tour. On va se focus sur l'autre. On défend. J'ai mis un géant pour l'attaque. Ouais, bien. Je mets le mien aussi. J'ai boule de feu le ouais, pêcheur. Bien. Je poison, il roquette dans la panique. Ok, la bombe ce qui va. Ouais, nickel. La bombe va toucher la tour normalement. On défend. Carré, là. Il veut... Oh putain, mais j'ai pas vu notre tour principal, fais gaffe. Wesh. Je mets un mini esprit. Vas-y. Oh putain, il donne tout. J'ai le gel pour tempo. Ok. C'est carré, ça tue pas. Oh. Allez là. C'est bon. J'ai boule de feu. Let's go. Oh, c'était un peu chaud. On est un peu trop commit à droite, en vrai, on avait temps. Ouais. Let's go. Okay. 2-0. Ok, incroyable. Je relance ce mode-là ou on fait le 2v normal? Je peux relancer celui-là et après on... Je pense que je relance celui-là. Hein. Vas-y, go. Inox et Walouf, ils ont gagné la deuxième game. Amin Billy, ils ont gagné la première, ils ont perdu la deuxième. Et Dwagby Gota, ils ont perdu la première. Nous, faut pas qu'on perde, on n'a pas le choix. Ouais, faut qu'on 5-0, y a pas le choix. On va les éteindre. Okay. Oh, j'ai la roquette ou la foudre? Foudre. Tu sais utiliser la foudre? Bah ça, quand tu mets, ça explose quoi. Ouais, ça touche 3 troupes qui ont le plus de vie. Ok, j'ai le dragon laser là. Contre vas-y. La princesse. Dragon de l'enfer? Ouais, qui met du laser là. Ouais, dragon de l'enfer. Comme ça, s'ils ont des grosses troupes, ça les a... J'ai une fournaise qui charge l'élixir ou bien un truc qui fait à manger bien. Là. Là c'est bon, fournaise, ils m'ont dit le chat, tout le monde a spam. Je leur ai donné un truc qui charge l'élixir. J'ai le ballon moi, est-ce que t'as un truc pour jouer avec le ballon? Il te faut quoi, un truc qui donne de la speed? Ouais, je sais pas, la speed. Donc j'attends de voir mes autres cartes. Oh, on a le mortier, oh la pire carte. Je vais mettre le soldat fantôme royal là. Dès que, ouais vas-y tu peux là. J'ai un mineur aussi, je vais mettre un mineur à droite. Vas-y. Comme ça va, ils vont devoir le gérer. Le gère, attention, faut bien le défendre, le faire mal.
Fournaise, ça fait quoi, Fournaise? Ah ouais, si, mais là, si, ça peut le faire. Mais mets-la plus au milieu, prochaine fois. Ah ouais, ok, ok, j'ai capté ce que ça fait. Attention, à droite. Ah ouais, j'ai pas grand chose. Je mets une gargouille, je mets le dragon de l'enfer. Il push avec les cochons. Ok, j'ai boule de feu. Ah, golem élixir, je mets hop. Ah, mon armée, elle est pas terrible, hein. On a pris beaucoup de dégâts, mais on a un bon contre-push, hein. Ouais. Oh, la roquette, oh, elle est belle. Roquette, elle est magnifique. Ok. Ah, ton mineur il gratte, hein, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. Ils vont attaquer à droite. Des barbares à droite. Ouais. Mortier défensif. Attention, barbare contre bombeur, assez. Ok. Ah, ils ont la pompe. Ils l'ont mis après, en fait, ça le problème. J'ai mis une fournaise, des gargouilles. Ok, GR à droite. J'ai la boule de feu. Oh, elle est pas terrible. Ouais, elle est pas terrible. La voleuse, regarde à gauche, ça gratte. Ah hein. Ouais, elle est en train de flinguer la voleuse. J'ai remis un mineur aussi. Oh, le pêcheur cam. Ah putain, le pêcheur, je l'ai mal joué. J'ai mis pense. Une fournaise, bonne chance. Regarde, regarde, mon dragon, il est en train de prendre la tour. Nickel, nickel, c'est très bien. Ça t'a super bien joué. Roquette. Prochaine fois, ta fournaise, tu la mets vraiment hors portée d'une milieu, roquette. Attention à gauche, j'ai pas vu. À gauche. J'ai mis golem élixir, je mets full. Du coup, il va y avoir de l'élixir si, dès qu'il y a mon truc. Ouais, je vois bien. Le boulis qui fait un peu le taf. J'ai ma foudre là en place. J'ai la boule de feu, j'ai la boule de feu. Je mets les barbares en bas, ok. Ouais, c'est bien. J'ai le bouliste. Derrière tes barbares. Je mets le mineur. Vas-y. Ils vont devoir gérer le mineur, ils ont pas le choix. T'as un truc? Ouais, je mets le fantôme. Je mets la fournaise aussi. Ok, on a pris la deuxième tour, on est bien. On est bien, mais nos deux tours sont quand même assez low. Hein. Attention. Ouais, ouais, ouais. Je mets le golem élixir. Vas-y. Aïe 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 aïe. Oh putain, en plus ils ont la roquette hein. En vrai c'est pas ils gagné. Ils sont flingués là-bas, hein. Ils sont flingués dans leur base. Je mets un mineur dans leur base. Vas-y, vas-y. Ils roquettent là à gauche, ils font quoi? Ils sont coincés, on est d'accord. Enfin, je pense que c'est gagné. Mon ballon, je l'ai pas utilisé une seule fois les gars. Ok. La fournaise, elle a mis bien. Bien joué, hein. Let's go, mon gars. T'as bien joué. J'ai pas utilisé la foudre, j'ai troll. J'suis désolé. Ah oui, pareil, j'ai pas utilisé le ballon. Ça me faisait peur de l'utiliser. Moi, au début, j'avais peur d'utiliser le golem qui donne de l'élixir, et ouais. Après, au final, j'étais obligé. Si, parce qu'il tank bien quand même. Il met bien, en fait. Eh ben, on se lance un 2v2 normal avec nos decks de tout à l'heure. Vas-y. Il reste deux matchs. Vas-y, et on termine par un tirage. Yo boyo doyo ase años appointment on e dinner. En gros, il a dit, je t'invite à manger, je lui dis, quel jour? Ah oui, tu parles bien espagnol, toi. Ah, obligé, hein. Il y a 41. Oh là là, on n'a pas le droit de perdre, Kamel. Non, nous, on est obligé de gagner, mon gars. Nous, on a que des free wins, on est obligé de gagner, sinon on est vraiment des merdes. Je garde ma bûche alors, dans ce cas-là. Ouais. Est-ce que j'ai encore la bûche, même? Au pire, tornade, en vrai, ça fait le taf aussi. Je mets un bébé dragon fond de map. Ah, tu mets le. Ok. Ah, je l'ai mis direct, on va voir ce qui se passe. Ok, oh putain. Ah oui, ça, c'est chiant. J'ai le PK. Ah, il joue clonage, ouais. Tornade, c'est parfait pour clonage. J'ai mis la bûche, t'inquiète. Ok. C'est carré de baiser. Ils sont en train de tourner une vidéo troll ou quoi là? Bon, on s'en sort bien, mais. Là, il faut pas lancer le clonage ouais. Au hasard ou quoi. Ouais. Ni les tornades. En plus, j'ai l'esprit de feu moi aussi, il peut one shot. Hein. Et leur géant squelette miroir, c'est super fort parce qu'il y a la bombe qui repop, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais, on est emmerdé là. Hein. Je vais mettre le mien. Je mets le mien au pont, ils ont pas eu le temps de cycler, je pense. Vas-y, Zico. Je vais mettre des archères avec. Je pense que ça va les surprendre. Ok, je boule de feu là au fond. C'est carré. Oh, la boule de feu de légende. Ah, j'ai pas la. Oh merde. Ok, si c'est pas trop mal. Pas la sorcière, moi j'ai mis un petit bébé truc là. C'est ça qu'elle aura avancé un peu. Ok, attention, oh, parce que là on va prendre un contre. Attention. Ils vont la Valkyrie au cac déjà. T'as une bûche? Ouais. Vas-y, mets la bûche de l'enfer. Oh, la bonne bûche. Ok. Attention, faut quand même défendre le reste. J'ai pas grand chose, moi. Pas très, très bien, là. Aïe, aïe, aïe. Je mets des archères. Merde, il y en a une qui va à droite. Ah, pas grave, c'est pas grave, elle va faire mal. Elle va se remettre invisible ou pas, là? Non, c'est bon.
Ok, on défend et après on contre-attaque. J'ai ma tornade, moi. Très bien. Je bûche le tout ? Pas encore. Ah merde, j'ai bûché trop tôt. Merde. Je tornade. Vas-y. Ok, j'ai côté droit, je l'ai. Ok. Je bûche, enfin je ponds. J'ai mis, t'inquiète à droite. Oula, j'ai besoin d'aide à droite. Okay, bon. Ça le fait. Je tornade. J'avais bûché, c'est carré. Ok, c'est pas mal. Allez, le bébé dragon, la tour. Ok. À droite, j'ai mis un PK, ils sont dans la merde, ouais, de zinzin. Ouais, c'est bon, bah GG, hein, t'as tout fait à droite. Putain, GG, hein. Putain, on est solide. Let's go, mon gars. T'inquiète, on s'adapte. On perd au début. C'est pas grave, on va revenir. Solide, les gars. Frère, c'est trop. J'ai mis un petit PK à droite, là, il est parti flinguer tout le monde. Contre les archers, incroyables. Hein. Merci Rafou dans le chat, c'est lui qui m'a dit ça. Ouais, ils sont bien. Elles ont été up il y a pas longtemps, il me semble. Eh ben, je crois que c'est l'heure de la dernière. Hein. C'est la dernière, mon gars. Faut leur mettre un 5-0 en bonne et due forme. Si on gagne celle-là, Christini s'est pris un 12-0. C'est un peu chiant. Pas de peine, frère. C'est un peu chiant pour elle. On est obligé de gagner, on n'a pas le choix. Ok, t'es prêt ? Moi, je suis prêt, moi. Toujours prêt. Wow, une demi-heure pour refaire le deck. Pour se prendre une petite branlée. Par contre, ils ont fait peur au début. Au début, ça, j'étais pas peur. Allez, on y va, tirage. Merde. Ah, je crois que c'est la healeuse à 4, là, en doré. Et c'est quoi l'autre que t'as ? Un gobelin. Prends le... Un Jerry Shrek. N'importe. Ah, c'est la cage à gobelin, je crois. Vas-y, je prends la cage. Ça a l'air plus simple à jouer. Géant, je prends, ou foreuse ? Géant, ouais. Géant, je pense. Ouais, géant. J'ai le géant électrique, moi. Oh, carré. Oh, j'ai les archers. Voleuse ou Serbacane ? Voleuse. Vas-y. Je sais qu'elle a, carré, beaucoup de mal à la défendre. Je pense que lui, c'est pareil. Oh, merde, carré, il reste 10% de batterie. J'espère que ça va, c'est bon. Ça ouais, fait. Pareil, t'inquiète, 10% t'es large. Ok. Spécialiste batterie. Je vais jouer un petit truc fond de map. Vas-y, mon gars. Hop, je mets une petite voleuse à droite. C'est bien. Mais elle colle là encore même plus au pont. Okay. Ouais, comme ça, marque, tu vois, tu grattes bien là, c'est bien. Je mets des petits électrocuteurs. Oula, attention à droite. À droite, j'ai rien. Oh, c'est bon, il est parti sur mon bâtiment. Ouais, mais là, j'ai rien du tout pour défendre à droite. Ils ont beaucoup de troupes aériennes, je suis un peu emmerdé là. Heureusement, j'ai les archers. Hein. Ouais, bien joué. Donc, la bombe, elle est partie. À droite, on peut faire un dégât de 20. Bon, on peut faire un 3 couronnes là. Oh la T2, mais après il reset la T2 lui, je crois. Ouais, il reset. C'est parfait. En vrai, là, ils peuvent rien faire, on a le combo, mais. J'ai vraiment... mis un truc, ouais. Oh là, ils peuvent rien faire. Ça arrête pas, hein. Continue de push de tous les côtés. Juste ça flingue, mon pote. Électrocution, archer. On va les arracher. On va les arracher, mon gars. Voleuse de tout part, oh ça pète mon gars. Ça pète mon gars. Ça pète, envoie tout pas gagné, c'est pas gagné. S'il te plaît, frère. Comment ça, c'est pas gagné ? C'est pas gagné. Et les percussions sur la tour. Non, attends, les trolls pas. Archer, arrête de paniquer, juste envoie, ça pète mon gars. Ça va péter, esprit de glace, on y va, une auto-attaque. Une auto-attaque la team. Oh merde, attends. Là. Attends, c'est pas gagné. La voleuse, elle finit là. Non. Ah, si. Mais c'est quoi qui a fini, frère, arrête de chier dessus, wesh. Ouais. C'est quoi qui a fini? Je sais même pas non plus. Dès que j'avais un truc, ça pète 3-0, une minute, on n'en parle plus. Non, mais là, on avait vraiment un deck de fou par rapport à eux, là, ça a fait l'avantage. On avait un deck de légende. On se regarde en plus, la voleuse, dès que je la mettais, ils étaient en panique. Déjà, je l'ai mis niveau 1, la voleuse, elle a tapé 3 fois. Ouais, non, la voleuse, en vrai, je savais qu'il fallait la prendre, mais ils savent pas la défendre. Ah putain. Je vous dis, on avait pris les deux tours, il restait sans après, il dit attends, on va peut-être perdre, attends, calme-toi, t'inquiète. Non mais je voulais être sûr. En vrai c'est trop important, ça se trouve ça va jouer une game. Non mais y'a pas de goal average, c'est si tu gagnes, tu gagnes. Ouais. C'est pas avec les tourelles. Après je sais pas, j'en sais rien, je dis ça, je sais pas. Oh, Inox et Waleouf, ils ont fait 3 victoires d'affilée là. Là je suis en train de les regarder et ils sont encore en train de gagner là. On a 5-0. Mais Rubus, je pense qu'il est éclaté. Ouais, Rubus, il est éteint. Il est en train de faire péter un câble à son pote joueur pro.
Strike. Ah ouais, c'est vrai, je suis pas. Putain, zéro défaite, hein, Kamel. R0 défaite. En plus, on a fini trop vite, carrément. La dernière game. On est obligé d'attendre les autres, putain. La dernière game, je dois avoir trop le seum. Je pense que c'est win. Bah, c'est Daniel, hein. C'est la win pour la France. Ah ouais. Oh les gars, let's go, je serais trop content. Pour remonter avec les autres, Kamel. Vas-y, vas-y, gros, remontez, gros, remontez. Ça dit quoi, les gars? C'est qui a tout changé? Attends, là, ça dit. Ça dit que c'est le stress? Ouais, non, laisse-nous focus, please. Quoi, du coup, c'est quoi le score? Du coup, c'est quoi le score? 49-47. Si vous voulez, c'est 49-47? Ouais. Bon, ah ouais! Ah, c'est-à-dire que genre, si je prenais pas une game, c'était 48-48? Ouais. Ouais, en gros, il y a 29-27 en un 20. Ok, les gars, donc ouais, on est content, on a pris une win, c'était principal. T'es en train de me dire que c'est grâce à toi là! Franchement, Bouzy, le mec avait 3 fois mon level. Non mais oui, bah, donc lui prendre une game, je suis très très content, frère. Oui, c'est très bien. Les gars, j'ai toutes les stats sous mes yeux. Et déjà, un gros GG à Le Bouzeux qui est le seul à ne pas avoir connu la défaite ce soir. Ouah, mais Bouzy! Je suis le meilleur d'équipe, forcément que j'ai pas perdu. Invaincu Le Bouzeux. Il a fait le perfect avec Kameton en 2v2. Il a fait le perfect face à Christini en solo. Sinon, grosse perf d'Inoxtack qui aura perdu une seule game en 1v1. Mais en 2v2, ils en auront perdu qu'une seule et gagné les 4 autres. Pareil pour Wa, qui aura eu un petit peu de difficulté sur la fin de son 1v1, mais qui s'est rattrapé en 2v2 en gagnant 4 sur 5. Amine et Billy, honnêtement, grosse surprise. Déjà la première victoire de Billy face à Mario. Elle a mis bien parce qu'elle aussi, on en parle pas, mais elle vaut autant que celle de chez Gotha. En 2v2, ils ont pris une game aussi. GG. C'était vraiment utile. Non, mais GG, les gars. Votre sac à dos. Les gars, on rapporte 50 000 euros. Votre sac à dos insane, les gars. Et on était tellement à l'aise dedans. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, 50 000. Amine, franchement, pour la première fois sur le jeu. Attends, on a gagné 50 000 balles. Non, je vais laisser Wa en parler. Non, c'est pour une association, Inox. C'est pour une association. C'est Mastera. Moi, je savais même pas qu'on offrait à une association. Ah, mais gros, on s'est battu pour ça. Il voulait rembourser sa M3, c'est sûr. Putain. T'as des problèmes de sous, frérot, parle-toi. Non, frérot, ça fait trop plaisir. Quelqu'un peut expliquer comment Amine a gagné 4 games sur 3? Alors que hier, quand j'ai regardé, non, mais c'est comment t'as fait, Amine? Tout le monde m'a dit Amine va se faire exploser. Mais oui, comment il gagne? Le mec en face avait pas de bras. Oula, attends. Ouais, wow. Okay. T'as encore fait l'émotion, je comprends, t'inquiète. Mais j'ai try yard que sur le set de base. Et j'ai joué que ça. Parce que je peux jouer que ça en tant que débutant, j'avais accès qu'à ça sur le jeu. Oui, mais comment t'as fait pour les tirages triples et tout? Bah ouais, c'est ça, il y a plein de cartes que tu connaissais pas. Ouais, tirage triple, tirage. Et je me suis dit, ça ressemble à des soldats, ça ressemble à un tank. Bah en vrai, frérot, t'es un crack, hein. T'es un crack en live, là, Amine. Chaque game a compté. Fallait vraiment se battre sur chacune d'entre eux. GG. À tous. Bah, GG, les frérots, merci à tous. Bravo, la team. Bien joué à vous. On se retrouve pour le prochain France-Espagne. Encore une victoire. Kamel. Bon, bah, les gars, merci à vous. Ouais. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Ciao, les gars. Ciao, les gars. GG, l'équipe. GG, la France. GG. Let's go, les gars. Je suis trop heureux. Putain, on a gagné. Wouh!